à Bamako, au Mali, depuis un an et demi. Et là, je suis retour en France pour une courte durée. J'ai ramené avec moi un pote qui est DJ et qui a énormément de musique afro, donc africaine, des années 60, 70, Nigeria, Fela Kuti, enfin, toute la musique des tontons maliens aussi. Et moi, je fais plutôt de la vidéo. Donc voilà, on avait envie de partager ces expériences et ces sons et ces images qu'on a fait en Afrique pendant quelques années. Et puis voilà, on a eu l'occasion de faire un partenariat avec Malvina et Jean-Fred des Trois Louches, du restaurant des Trois Louches. Et on leur a proposé d'animer une soirée, ils ont dit oui. C'est vrai que des lieux qui soient mélangés, où il y ait l'art culinaire, la musique, la vidéo, des choses comme ça, ça manque aussi. C'est pas juste de la consommation, c'est pas juste du divertissement, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi des messages à faire passer dans ta vie de tous les jours, parce que c'est ça en fait, c'est la vraie politique, elle est là, c'est dans ce que tu fais tous les jours. Donc, le manque qu'il y a ici de bars ou de trucs ouverts sur la rue ou accessibles comme ça, c'est vrai que tu le retrouves plus en Afrique. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je reste là-bas et pour laquelle je me sens bien là-bas, c'est que tout se passe dans la rue. Ça, je pense que c'est ce qui est en train de se passer quelque part. C'est-à-dire qu'il y a, que ça soit dans la lutte ouvrière, enfin dans tous les mouvements un peu de résistance à toutes les couches de la société, je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est susciter la conscience, être responsable de ses actes, voilà, et puis l'autonomie aussi, l'autonomie d'action, de réaction.